Merci pour la fidélité. Merci pour tout ce que vous faites pour le Burkina. Et voilà, trop de vidéos, mais il le faut parce qu'il y a trop de manipulation, et il y a trop de distractions sur la toile. Et donc ça mérite qu'on, à chaque fois, qu'on voit des choses qui méritent qu'on, en parle. Il faut sortir à chaque fois, déminer. Voilà, parce qu'il y a des gens qui sèment des, des, des herbes de de, 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 voilà, de distraction. Il y a des gens qui n'ont même plus d'arguments. Il hein, faut le dire ainsi. Quand vous les voyez dans leurs vidéos, c'est toujours les mêmes même chose. et Les ennemis n'aiment pas le Burkina, bon. C'est toujours la même chose. Qui n'aime pas le Burkina Personne. Les gens aiment le Burkina. C'est ceux qui ont pris le pays, qui l'ont pris dans le mensonge. Quand on vient, on prend le pays dans le mensonge ça donne ses résultats. On arrive à la première heure, on commence à mentir. Hey, Damiba a donné l'argent. Intel a donné l'argent. Quand on veut critiquer, tout tourne autour de l'argent. On veut vous dire la vérité, c'est parce qu'il a pris de l'argent. On veut critiquer, c'est parce qu'il a pris de l'argent. On veut dire, ah oui, il a été payé. Quand même. Hein? Une crise qui a commencé depuis huit ans. Les gens ont critiqué dans ce pays, ils ont tout dit. Et ça arrive à votre niveau, tout ce qu'on veut vous dire, c'est parce qu'on ne vous aime pas, c'est parce qu'on veut renverser la transition. Vous voyez Et tous ceux qui disent Ah oui, c'est eux qui ont toujours les dossiers des gens. Quand ils sortent parler, on a ton dossier. Quand ils sortent parler, Ah, il a attrapé une petite fille ici. Il a fait. Mais attends, la vie privée des gens, ça n'engage que les, ces gens. Ça ne veut pas dire que quand il as a des problèmes en famille, tu n'as pas le droit à parler de ton pays. Mais quand tu sors pour dire quelque chose, il y a des gens qui ont toujours quelque chose à dire sur toi. Croyant qu'en disant ça, ça va te faire euh, éviter de parler de la situation du Burkina. Non nos Burkina, chacun a une vie privée. Quand la nuit tombe, chacun a sa vie privée. Les gens font des bêtises. Mais ça, ça n'engage que. Ce n'est pas parce que tu fais des bêtises la nuit ou à quelque part que tu n'as pas eh, le droit de dire quelque chose qui concerne ton pays. Non, ça, ce n'est. Même si c'est. Eh, je ne veux pas dire ça, mais même si ce sont les filles qui sont arrêtées au bord de la voie, qui se donnent aux gens. Si ça concerne son pays, elle doit donner son point de vue. Sinon, elle n'aura pas. Un pays pour faire ce qu'elle fait. Donc ça n'a rien à voir. Mais comme les gens sont émotionnels, quand on leur dit venez, on va casser les papeaux, venez, on va on a des dossiers, les gens courent aller. Est-ce que ça libère un pays, ça ne libère pas Dès les premières heures, il y a des gens dans ce pays-là qui sont honnêtes. Des gens qui ont géré le pays, qui peuvent contribuer. Dès qu'ils ont commencé à donner leur point de vue, on a sorti tout, toutes sortes de manipulations ici sur eux. Ah oui, soublesse qu'on pourrait y avoir fait ça. Ah, tu avais fait ça. Oui, c'est vrai. Il a fait. Mais aujourd'hui, il veut parler de notre pays. C'est une situation qui est arrivée. Il veut donner son point de vue. Vous, vous sortez. On enlève les gens. On amène les gens au front. Et on, il faut empêcher aux gens de parler. Mais quelqu'un qui est venu prendre le pouvoir par la force, il a réuni les gens. Il, est, il a dit au peuple burkinabé ce pourquoi il a fait le coup d'État. Ça a été tellement clair. Il a réuni tout le monde. Quand il a expliqué, les gens étaient d'accord avec lui. Mais quand on explique à un peuple ce pourquoi tu es là, il va de soi que le peuple suive tes actions pour voir où on va. On ne va pas rentrer dormir, laisser le pays dans les mains de quelqu'un qu'on ne connaissait pas. Qui connaissait Ibrahim Traoré On ne le connaissait pas. Et j'ai dit, l'amour qu'on doit avoir pour Ibrahim Traoré, ce n'est pas la manière dont il s'habille. L'amour qu'on doit avoir pour Ibrahim Traoré, ce n'est pas parce qu'il est un capitaine. L'amour qu'on doit avoir pour Ibrahim Traoré. Ce n'est pas parce qu'il vient, vient de Bobo ou où. L'amour qu'on doit avoir pour Ibrahim Traoré, ce n'est pas parce qu'il parle bien le français. L'amour qu'on doit avoir pour Ibrahim Traoré, ce n'est pas parce qu'il tente d'être comme Sankara. L'amour qu'on doit avoir pour lui, ce sont les actions qu'il pose en fonction de ce qu'il avait dit en prenant le pouvoir. C'est la manière dont il justifie son coup d'État. L'amour doit venir de là. On ne peut pas commencer à manipuler, dire à tout le monde qu'on doit forcément aimer Ibrahim Traoré. Sur la base de quoi on doit l'aimer Mais c'est sur la base des, des actions qu'il doit poser dans la lutte contre le terrorisme. Ce n'est pas la pose des premières pierres qui doit faire qu'on doit aimer Ibrahim Traoré. Les, les précédents ont fait des poses de premières pierres. Ils ont même construit. Blaise Comporé a fait combien d'infrastructures au Burkina Les maisons des jeunes et tout ça. Il a construit. Ce n'était même pas des poses de premières pierres. Lui, il a bâti. Kabouré qui est venu, lui aussi il a bâti, il a fait des investissements au Burkina. Mais ça n'a pas empêché Rocabouré de partir. Le président de Miba qui est venu, lui aussi il a fait des actions. Selon vous, ça l'a pas empêché de partir. Parce que vous avez trouvé que ça ne va pas au niveau de la, de, de la sécurité du pays. Donc là, il est là pour ça. Donc son jugement doit porter sur comment il gère la crise. Pas comment il tourne pour faire des poses pr de première pierre. Ça, ça n'a rien à voir. Les premières pierres, ce n'est pas lui qui a montré au Burkina comment on pose les, 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 les premières pierres. Non, ce n'est pas lui. Donc arrêtons ça. Revenons. Et <laughs> revenons sur terre. Bah, je, je, vous avez vu. Euh, moi, j'ai toujours dit <laughs> au Burkina vraiment quoi. Hein? Ah, ah L'attaque de Gibbon. On va revenir encore. Vous avez vu. Le ministre de la Défense. Non, pas le ministre de la Défense. Le ministre de la Sécurité. Non, pas de la Sécurité. Le ministre de la Justice. Excusez-moi. Monsieur Edasso. Le ministre de la, Séc de la Justice. Il vous vu son intervention là. Il était où depuis Depuis qu'il y a eu l'attaque de Guibou, il était où On ne savait même pas où il était. Il a fallu que le bureau. Le bureau des Nations Unies sorte un communiqué. Pourquoi lui il sorte maintenant pour commenter, non pas sur les événements, mais pour commenter sur le communiqué qui a été fait par le bureau des Nations Unies Nous, nous avons toujours parlé de cette situation. Nous avons toujours parlé de cette situation. Parce que vous aussi, vous n'êtes pas responsable. Les gens seront obligés de venir mettre leur boost dans votre affaire. Parce que vous-même, vous, vous n'êtes pas responsable. La situation s'est produite depuis quand D'abord, nous, on a toujours dit, quand vous communiquez, ça permet aux gens de rester sur la même ligne d'onde que vous. Mais si vous, vous n'êtes pas responsable, si vous ne communiquez pas, si vous êtes silencieux, si vous faites comme si de rien ne s'était passé, les gens sont obligés de communiquer. J'ai pris un exemple, j'ai dit, ailleurs, quand il y a des attaques, quand il y a quelque chose qui se produit net, les premiers responsables sont les premiers sur les lieux pour aller commencer à donner les informations qu'ils ont à leur possession. Vous n'êtes pas obligé de donner les détails. Mais au moins, vous, êtes, vous allez quand même informer au peuple burkinabé qu'il y a quelque chose qui s'est produit dans tel lieu et que les, les, les investigations sont en, train, sont en cours et que les gens auront des informations avec l'évolution de la situation. C'est aussi honnête. Ça permet aux gens de suivre, de ne pas se mêler des choses, de, de rester sur votre communiqué. Mais vous leur dites de ne pas communiquer. Mais vous, vous-même, vous ne communiquez pas. Monsieur le ministre de la Justice devrait avoir honte. L'affaire de Karma, c'est depuis quand L'affaire de Karma, c'est depuis quand Vous ne l'avez pas gérée. C'est toujours dans les tiroirs qui parlent de ça. Vous ne parlez pas de ça. L'affaire de, 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 de Kumbri, vous ne parlez pas de ça. L'affaire de Zouaga, vous ne parlez pas de ça. Il y a Partiaga, vous ne parlez pas de ça. Il y a trop de dossiers que, sur lesquels vous deviez vous prononcer. Quand on vous dit de faire la lumière, c'est pour vous-même. Ce n'est pas pour justifier ce qui se passe dans votre pays à des gens qui sont hors du pays. Mais c'est juste pour que vous-même vous soyez crédible dans ce que vous faites. Mais s'il y a des drames sur vous, vous ne communiquez pas. Ce n'est pas votre problème. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous taire. Depuis l'affaire de, 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 de Guibo, il n'y a pas eu de communiqué officiel. C'est notre général étoile qui allait croiser ses bras, s'arrêter devant les, les soldats supplier de ne pas tirer sur lui et revenir à la maison. Qu'est-ce qu'il a fait de différent Il n'a pas il n'a rien fait. Il n'a rien fait, il est allé accuser des gens, s'arrêter devant les soldats pour dire qu'on avait vendu Guibo, mais Guibo est toujours là. Qui a vendu Guibo C'est qui qui a vendu Guibo Personne n'a vendu Guibo. Donc c'est juste pour vous dire que c'est vous qui, vous n'êtes pas responsable, vous n'êtes pas assez mature, vous ne montrez pas aux gens. Que Vous-même, vous vous souciez de votre pays. C'est pourquoi les gens se mêlent de vos, de vos affaires. Donc, ne sortez pas, commencez à attaquer les gens, comme si ces gens-là ne vous aimaient pas. <laughs> vous voyez, c'est trop. À la limite, c'est trop ridicule, quoi. Hein? Pourtant, ce sont des gens qui, qui étaient là hier, sous le pouvoir de roi Cabouré. Ils ont tenu des propos ici pour dire qu'eux, ils n'allaient pas rentrer dans la manipulation pour accompagner un gouvernement. Aujourd'hui, ce sont les mêmes. Qui, rentre, qui sont dans, 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 dans ces arts de manipulation-là, juste pour accompagner Ibrahim Traoré. Et moi, j'ai dit ce que les gens ne comprennent pas. La manipulation aujourd'hui qui se passe au Burkina, c'est juste pour que Ibrahim Traoré reste au pouvoir. Tout ce que vous faites à la télé. Parce que quand vous voyez les gens dire que tout ce qu'on fait à la télé, c'est pour encourager les soldats. Ce n'est pas pour encourager les soldats. Ce n'est pas pour encourager les soldats. Tout ce que vous faites à la télé, c'est pour que le peuple ne se révolte pas. Le peuple ne va pas se révolter contre les soldats. Le peuple va se révolter contre celui qui a pris le pouvoir dans le but de libérer le pays. C'est Ibrahim Traoré. Donc tout ce que vous faites comme manipulation a juste pour objectif éviter que Ibrahim Traoré ne soit sassé par la population. Ce n'est pas pour encourager les soldats. Parce que les soldats eux-mêmes sont en contact avec la situation actuelle. Ils savent ce qui se passe. Tout ce que vous faites, les soldats sont au courant. Au contraire, même ça les démoralise, ça les énerve. Parce que si vous regardez les vidéos qui circulent sur la toile, mais on voit clairement que les gars sont rentrés dans, dans, dans le camp. Ils sont rentrés, ils ont fouillé, ils ont tout pris, ils sont partis. Où Étaient les soldats, mais les soldats, moi je leur donne raison. Mais si dans d'autres localités on est venu vous attaquer, vous appelez Ouagadougou, personne ne vient, on massacre les gens. Si ça arrive dans leur camp ici et qu'ils trouvent que ceux qui sont en face ont une puissance de feu et un nombre important, ben, ils, ils sont obligés de partir. Moi j'ai vu sur où on avait fait un communiqué pour dire que on a attaqué un commissariat des dégâts matériels, des dégâts matériels importants. Mais il n'y a pas eu de perte en vie humaine. J'avais dit en son temps, j'ai dit, mais les gars n'étaient pas là. Sinon, si tu es dans une maison et que on vient t'encercler, on t'attaque, il y a deux cas. Soit tu as neutralisé l'ennemi, ou l'ennemi t'a neutralisé, ou tu n'étais pas là. J'ai dit ça sur Il y avait un communiqué où les gens ont dit que oui, il euh, y a eu des dégâts matériels, mais euh, pas de perte en vie humaine. Pourtant le commissariat, quand vous regardez, les portes sont, sont, c'est délabré. quelqu'un ne pourrait même pas rester dedans. Donc j'ai dit, les gars qui étaient dedans là, soit ils sont partis avant l'événement, ou ils ont fui. Donc dans ce cas-là, à Gbô, quand vous regardez ce qui s'est passé à Gbô au camp, les gens ont tenu, mais quand tenu du nombre important de ceux qui étaient là. Et la seule alternative pour eux de pouvoir vaincre ces gens, avec ce nombre important, il fallait avoir un renfort ailleurs pour venir aider ceux qui étaient là. Parce que quand vous êtes dans un cas et qu'on vous encercle, la seule chose, c'est qu'il faut avoir un soutien extérieur. Mais le soutien extérieur, il ne vient jamais. Le soutien extérieur ne vient jamais à temps. Il vient toujours après, après les drames. C'est ce qui s'est passé à Gibo. Maintenant. Il y a des gens qui sortent qui disent que il y a des vidéos qui tournent sur la toile, ce sont des, des montages. Moi, je ne certifie pas les vidéos, mais la, la vidéo que moi j'ai regardée. Je ne suis pas fier de la publier, je l'ai publiée. Mais quand vous faites l'analyse de la vidéo qui tourne sur la toile par rapport à ce qui se passe à la télé, je préfère ce qui tourne sur, la, sur Facebook par rapport à ce qui sort à la télé. Parce que pour ce qui sort à la télé, il y a trop de manipulations. J'explique. Les frappes de drones, on ne voit jamais. C'est toujours des choses noires qui, qui liment. Il y a des frappes. On ne le nie pas. Mais trop, tout ce que vous montrez là, ce sont des mises en scène. Sinon, il y a des frappes. On n'a pas payé les drones pour venir préparer du, du, du haricot dessus là. Et ce n'est pas vous qui avez, ça n'a pas commencé sous vous. Les autres avaient les drones, ça travaillait. Vous, vous avez les drones, ça travaille. Mais ce que vous montrez à la télé, il y a, il y a de trop. Et ça laisse voir clairement la manipulation. Mais dans ce que vous avez montré à la télé, les gens ont dit que oui, les Giadis étaient coincés, ils ont fouillé leur moto. Mais quand quelqu'un fouille laisser une moto et puis la moto est sur deux cales, <laughs> vous ne savez pas mentir quoi hein? Quelqu'un qui a fouillé laisser une moto et la moto était sur deux cales, quand on fouille ces est couchers-là, <laughs> est-ce que tu as le temps de caler Non, tu n'as pas le temps de caler, frère. Quand on te surprend, ça sauf, tu veux courir, est-ce que tu as le temps de mettre les deux cales Mais vous, vous, vous allez même vous caler, ça vous dites voici que ça saufait le gars a laissé la moto. Et le, la moto est sur deux cales. C'est tout ça qui nous touche, ça c'est un. De deux, vous nous dites que vous avez pulvérisé ces gars. C'est vous qui avez dit que c'est 3000, 3000 qui sont venus. Vous, vous n'avez eu que 400. Les autres sont où Vous, mais vous ne savez même pas où ça est. Et les vidéos qui circulent, ça montre, pour les vidéos qui circulent, on voit clairement le camp. On voit l'intérieur, on voit tout ce qui est fait, on voit tout, 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 tout. Ça peut être un montage, c'est vrai. Mais pour eux, c'est quand même clair que ce que vous, vous nous montrez. Et pourquoi vous, quand vous êtes parti, vous n'avez pas interrogé les soldats Vous, vous aimez interroger, non Quand vous dites qu'un coin est libéré, vous courez, aller interroger, non Amenez vos radios propagandistes, là, ils n'ont qu'à aller interroger les soldats. Dites-leur de, de parler, même si c'est à visage couvert, là. Dites-leur de parler et vous allez nous montrer le camp. On n'a pas regroupé les gens hors des maisons là. Pourquoi vous n'avez pas montré derrière Mais les soldats qui sont là, moi je n'aime pas trop, je ne suis pas fier de trop parler de ça. Parce que le problème qui est là, c'est quoi Le problème qui est là, c'est quoi C'est qu'aujourd'hui, nous, nous ne voulons pas trop parler parce que ça concerne les soldats. C'est vrai que ça nous tous. Ce sont nos frères. Mais les soldats ne sont pas des enfants. C'est pourquoi moi je ne parle pas trop. Si vous êtes au front, quelqu'un vous a abandonné au front. Il est venu à Ouagadougou, il a pris les armes, il est revenu à Ouagadougou dire que lui, il veut mieux, faire mieux que ceux qui étaient là. Il vient prendre le pouvoir, il tourne à Ouagadougou, il prend la télé, il fait des mises en scène, on vous tue. Il n'est pas capable de changer la manière dont ça se produisait avant pour que si vous appelez, on puisse venir vous secourir, on laisse vous abattre, vous neutraliser, tuer vos camarades et ils viennent dessus faire de la propagande, prendre la télé, se moquer même de vos morts. Parce que moi j'appelle ça se moquer de la mort des, des soldats. Pourquoi je dis ça Parce que nous avons dit, pour que le peuple soit derrière les FDS, il faut communiquer. Il faut permettre au peuple de se sentir dans l'action des, des FDS. C'est-à-dire quoi Ce n'est pas en les mentant, en leur disant que c'est difficile, on a besoin de vous. J'ai pris un exemple. Au village, quand il y a quelqu'un qui décidait, les gens, tout le monde se mettait ensemble pour aller accompagner ceux qui souffrent. Ça permet à tout le monde d'être dans la peau de ceux qui souffrent. On se donne la main. Mais quand vous venez à la télé, vous dites tout va bien. Mais le gars il, est, il va aller boire, il va aller manger, il va aller danser. Pour lui, tout va bien. Pourtant, le pays est en train de se couruler derrière lui. Mais vous êtes mauvais. Vous êtes cruel. Et moi, je dis, c'est aux soldats. Ces chefs qui sont venus là-bas. Et ils sont à Ouagadougou. Ils sont à Ouagadougou, ils ont pris les cinq étoiles. Cinq étoiles même en état à Ouagadougou, ils ne viennent pas au front. Quand on veut être général, on va au front. On finit le combat, on revient prendre sa médaille. On ne prend pas la médaille, on est couché à Ouagadougou pour aller s'arrêter devant les soldats. Ah, et on avait voulu vendre Guibo. Qui voulait fallait. Moi, je ne sais pas pourquoi les soldats ont laissé le général de parti. Il fallait lui demander qui a voulu vendre le Guibo. Nous, on a, on a besoin de celui qui voulait vendre Gibo. On ne peut pas venir dire on voulait vendre Gibo et puis on ne sait pas qui voulait vendre Gibo. Donc, vous voulez que celui qui voulait vendre Guibo aille vendre une autre ville Non. Il faut nous dire qui voulait vendre Guibo. Pourquoi on puisse prendre la personne pour qu'il ne vende plus une autre localité. Mais s'il voulait vendre Guibo, vous, vous allez vous arrêter, vous parlez, vous repartez. On ne sait pas qui voulait vendre Guibo. Après, il va aller essayer de vendre une autre ville encore. Donc, la manipulation, elle ne tient pas. Vous avez vu, les gens, on dit quoi De sortir le 2, on va louer les mérites de nos soldats. Nos soldats savent que ce que vous dites en ville, ce n'est pas vrai. C'est pourquoi tout ce que vous faites en ville, ça ne, ça ne peut pas galvaniser un soldat. Vous-même, au contraire, vous les amenez même à se décourager à se décourager parce que vous, vous n'êtes pas sincère, vous n'êtes pas sérieux, vous n'êtes pas honnête. Vous n'êtes pas honnête. Il y a des familles aujourd'hui qui contactent les gens. Moi, je vois les messages ici. Ils sont sortis, ils ne sont pas encore revenus. Est-ce que vous avez de leurs nouvelles Il y a des gens, même souvent, j'écris à d'autres personnes. On me donne les nouvelles, mais je ne peux pas écrire à ces gens. Je vais leur dire quoi Si vous-même, vous ne pouvez pas dire. Si vous-même, vous ne pouvez pas communiquer avec les familles. Au contraire, vous êtes en train même de diviser la population. Vous êtes en train de s'aimer le désordre au sein de la population. Donc ne venez pas faire croire que c'est quelqu'un qui déteste le pays. Nous qui luttons, j'ai toujours dit, il y a deux camps. Il y a le camp de ceux qui luttent pour que les soldats ne soient pas, euh, 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 je dirais, euh, tués à chaque fois et que vous venez faire des mises en scène à Ouagadougou. Parce que tous ceux qui luttent aujourd'hui, c'est pour, pour Ibrahim Traoré seul, lui seul, pas pour le pays. Mais nous qui luttons aujourd'hui, c'est pour que les soldats puissent être bien traités pour que les soldats puissent libérer le pays. Pour que Ibrahim Traoré change sa manière de faire pour libérer le pays. C'est nous les vrais patriotes, tous ceux qui luttent aujourd'hui, qui disent qu'eux, ils ne jurent que Ibrahim Traoré. Mais eux, ils s'en foutent pas mal de la vie des soldats. qu'on a dit quoi Que malgré que les gens sont tombés, nous, on ne se décourage pas. Ah bon Malgré que les gens sont tombés, vous, vous ne vous découragez pas. Pourquoi Que oui, ils font ça pour qu'on puisse se décourager de notre transition. Et puis ça Ibrahim Traoré. Voici ce que vous dites. Quand je suis un frère d'un FDS tombé au front, j'apprends que les gens disent que oui, et ils ne vont pas se décourager. Et, parce que c'est une manière pour ça c'est Ibrahim Traoré. Mais même si vous n'allez pas vous décourager, dites à Ibrahim Traoré au moins de régler les choses pour que les mêmes choses ne se reproduisent pas. On ne vous a jamais dit d'aller le sasser. On vous a dit de lui dire la vérité, de nous expliquer pourquoi il est là. On n'a pas dit de le sasser. Personne n'a dit de sortir ça c'est Ibrahim Traoré. Mais c'est sa manière qui fait que les gens vont le sasser. Puisqu'il met des barrières pour qu'on ne lui dise pas la vérité. Quand tu veux parler, il t'enrôle. Quand tu veux parler, il t'enlève. Enrôlement là-même, c'est quoi? C'est pour aller te torturer pour que tu ne parles plus. Est-ce que c'est pour aller que pour. Ce n'est pas pour que tu ailles voir ce qui se passe. C'est pour que tout simplement on puisse t'amener pour que désormais tu ne puisses pas parler. Donc, pour terminer, je voudrais m'adresser aux activistes. Aux activistes qui se battent aujourd'hui et que les gens les insultent, les dénigrent, disent tous les noms, les traitent d'apatrides et tout ça. Vous voyez souvent quand j'écris ici, il, il y a des gens qui viennent nous insulter. Moi je voudrais que vous ne vous eh, trompez pas d'ennemis. Vous ne perdez pas votre temps à répondre à ces gens. Je vais vous expliquer. Très simple. Vous savez, les gens utilisent vos noms pour avoir à manger. Je vais parler simplement pour que les gens comprennent. Tous ceux qui vous insultent, ce sont des gens qui cherchent à manger. Parce qu'il y a des gens qui sont payés parce qu'ils vous insultent. Ce n'est pas parce qu'ils font quelque chose d'extraordinaire pour Ibrahim Traoré. Ce n'est pas parce qu'ils font quelque chose d'extraordinaire pour le pays. C'est grâce à vous que ces gens arrivent à avoir à manger. Puisque lui, son travail, c'est quoi C'est de faire des vidéos pour vous insulter de faire des vidéos pour vous dénigrer, de faire des vidéos pour sortir des sales informations manipulées sur vous, c'est son travail, c'est ça qui lui permet de manger. Il est employé dans le gouvernement du MPS2 en tant que idiot, en tant qu'inconscient, en tant que mal élevé pour insulter les gens et avoir à manger. Est-ce que vous voyez ceux qui sortent insultés Ils ont quel argument Ils n'ont pas autre argument pour sortir expliquer aux gens. Ce que Ibrahim Traoré a fait de bien depuis qu'il est là. Mais lui, son travail s'est sorti, c'est pour faire des vidéos, répondre à ce que vous dites. Tant que vous ne parlez pas, ils n'ont pas. Ils ne font pas de vidéos. Donc, pourquoi vous allez vous décourager? Parce qu'on vous insulte. Non. Le gars mange en t'insultant. Le gars se nourrit en t'insultant. Le gars prend soin de sa famille en t'insultant. Le gars gagne des motos en t'insultant. Ça veut dire que c'est son travail, c'est sa fonction. C'est sa fonction. Donc, ne, ne vous en prenez pas à ces gens. Moi, si je ne réponds pas aux insultes des uns et des autres, c'est ça. Nous, on était au village. Nos mamans donnaient des arrecides aux étrangers. Quand quelqu'un venait, on enlevait ça, on donnait. On allait payer du riz, on vient préparer, on leur donne. On était sociable. Est-ce que vous voyez On donnait. Mais aujourd'hui, si par moi, si en insultant ma maman, tu peux te nourrir, moi, ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne même pas. Parce que si elle était là et que peut-être tu la connaissais, tu vas la voir, elle va te donner quelque chose pour que tu puisses quand même manger. Si ça ne va pas, maintenant elle n'est pas là. Si l'insulter peut te donner à manger, Dieu merci. Parce que moi même si tu me connaissais et que tu t'adressais à moi, j'allais te donner quelque chose pour que tu puisses manger. Donc moi je voudrais dire à tous ceux qu'on insulte. Regardez sur la toile, moi je vois souvent des gens qui font des vidéos et que ces vidéos qu'ils insultent, sur lesquelles ils insultent des activistes. Comme les Naïm Touré, les Aminatarasso, on insulte surtout sur la Dame Lopez. Quand les gens prennent ça, ils vont sur leur page, ça fait beaucoup de vues. Les vues sont payées. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils cherchent des gens pour insulter et les envoyer les vidéos pour qu'ils puissent poster et avoir des vues. Vous n'avez pas vu qu'il y a des gens qui disent qu'ils récoltent de l'argent à travers les vues Moi, ma page n'est pas monétisée. Il n'y a pas d'argent sur ma page. Ceux qui connaissent les passes savent moi, ma page, là, on ne paye pas. Il y a pas, on ne paye pas de vue. C'est pourquoi je ne dis pas aux gens de partager. Là où on paye, là, quand eux, ils veulent commencer à parler, ils vous disent partagez. Partagez la directe. Partagez, mettez les cœurs. Ningui tomate. Partagez. Partagez. Il n'a même pas encore commencé. Il commence à dire de partager. Pourquoi Les partages, c'est de l'argent. Ici, nous nous sensibilisons. Même si c'est deux personnes qui viennent nous écouter, nous sommes fiers. Parce qu'on ne peut pas sensibiliser tout le monde à la fois. Mais quand les gens viennent écouter, ils vont réfléchir. Même si c'est deux personnes. Ça permet tout simplement de changer les choses. Donc, c'est pour dire aux activistes, ne vous fatiguez pas. Ne vous énervez pas parce que des gens vous insultent. Laissez-les. C'est à travers vous que les gens mangent. Le jour qu'ils vont arrêter de vous insulter, ils n'auront pas à manger. Le jour qu'ils vont arrêter de vous insulter, le goût. Ceux qui leur donnent de l'argent ne vont pas les donner. Vous n'avez pas vu qu'il y a des gens qui ont reçu des motos des... Qu'est-ce qu'ils font comme, comme, comme action pour le gouvernement, pour qu'on leur donne des motos. Qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu'ils font Mais ils ne font rien. Ce sont les insultes. Donc c'est pour ça qu'ils sont payés. Les lives que les gens font, quand vous les voyez faire les lives à la place de la c'est que, quel message ils donnent Ce sont des insultes. Soit on insulte la Côte d'Ivoire, soit on insulte la France, soit on insulte les États-Unis, soit on m'insulte, soit on insulte les activistes. Il n'y a pas autre argument. Moi, si j'étais un activiste de Ibrahim Traoré, quand je sors, c'est pour dire voici ce qu'Ibrahim Traoré a dit hier, voici ce qu'il a fait aujourd'hui, voici ce qu'il a trouvé, voici ce qu'il a changé, voici ce qu'il a fait, voici ce qu'il a fait. Ça permet de convaincre les gens. Mais quand on sort, on dit ah, Alassane Koumbo a fait une vidéo, il a dit ça, on va lui répondre. Ce ne sont pas des arguments. On parle, sur ma, on fait des commentaires sur ma vidéo. Donc, tant que nous ne nous parlons pas, vous, vous n'avez pas d'arguments. Donc, je dis aux gens, il ne faut pas vous préoccuper de ces gens-là. Nous, nous avons autre chose à faire que de nous adresser à des gens qui n'ont pas d'arguments, et qui viennent commenter toujours nos publications. Nous, on ne commente pas leurs publications. Quand les gens nous insultent, ils parlent. Nous, on ne commente pas. Parce que c'est nous qui parlons et vous venez utiliser ça pour vous faire payer. Donc, si nous, nos vies, peuvent servir à nourrir vos familles, Dieu merci. Ça aussi, c'est notre contribution pour votre famille et vos amis et tous ceux voilà, qui profitent de ce que... Vous vous gagnez comme don, comme argent, comme rémunération et tout. Donc, aux activistes, il ne faut pas vous décourager. Donc, la vidéo, on l'a on, 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 on va terminer en disant aux uns et aux autres il faut vous battre pour le pays. Parce qu'aujourd'hui, la manipulation est de taille. À la télé, c'est rose. Et moi j'ai dit, il y a et les manipulateurs qui disent que nous nous contestons ce qui se passe à la télé. Ça veut dire que nous ne croyons pas. Aux actions, aux, 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 aux actions de nos FDS. Non, ce ne sont pas les FDS qui communiquent à la télé. Il faut faire la part des choses. Ce ne sont pas les FDS qui parlent à la télé. Ceux qui parlent à la télé, ceux qui communiquent à la télé, c'est Ibrahim Traoré et le ministre de la Communication avec le directeur de la RTB. C'est point barre. Ce ne sont pas nos soldats qui communiquent. Nos soldats ont des pages. Le truc, le ministre de la Défense, il y a, y a sa page qui est là. Le ministre de la Justice a sa page. Le ministre de, 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 euh, comment, des armées, lui il a sa page. S'ils ont des communiqués, il les postent dans, dans, sur leur page. Ce qui se passe à la RTB, ça n'a rien à voir. Le ministre n'a rien à voir avec ce qui se passe à la télé. Ça, c'est la télé qui va chercher ces informations et il va les vendre à Ibrahim Traoré et venir les publier. Ça, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Pourquoi Si c'est réellement pour les soldats, pourquoi on ne donne pas ces choses-là aux autres médias Il y a des médias, il y a combien de médias au Burkina pourquoi c'est la RTB seule qui publie les, les victoires des de, 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 de soi-disant FDS Si c'est la vérité, qu'on donne ça à BF1, on donne ça à Omega, on donne ça aux autres médias, puisque ce sont des victoires. Mais si on maintient ça à la télé, c'est qu'ils savent pourquoi ils le maintiennent. Ce n'est pas la vérité. Ce sont des mensonges, ce sont des mises en scène. Quand nous disons ça, les gens disent que nous nous disons que c'est des mises en scène, pourtant les drones sont là. Oui, les drones travaillent. Nous reconnaissons, ça n'a pas commencé sous Ibrahim Traoré. Mais ce que Ibrahim Traoré fait est de trop. Il gonfle les chiffres. Et quand nous nous voyons le communiqué, on lit le communiqué, on voit les incohérences. Il ne peut pas venir nous dire que 300 Diadis sont venus, 3000 Diadis sont venus encercler un hein, camp Vous avez riposté et vous-même, vous, vous n'êtes pas fier d'aller célébrer. Même les Fabrice Zango, les Zango, là, les Fabrice Zango, les Marthe eh, Kuala et les Iron DB, quand ils vont prendre les médailles. Ils sont accueillis à, la, à Kossiam, non Ibrahim Traoré a le temps de les recevoir. Pourquoi nos soldats ont défendu vaillamment notre territoire Et Ibrahim Traoré n'a pas le temps d'aller les féliciter ou de les recevoir. Il préfère aller à, à, à Gawa pour une pause de première pierre. Entre les deux, c'est lequel qui est urgent Entre aller à, à, à Gawa, chose qu'on pouvait envoyer quelqu'un d'autre. Et lui, il pouvait se rendre sur les lieux pour aller féliciter les gars médiatiser. Il préfère aller de l'autre côté. Il sait pourquoi il allait ici. Parce que les soldats l'attendaient de l'autre côté. Celui qui est allé, ce n'est pas le général 5 étoiles. Est-ce que même c'est le général même son, qui est son, 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 cousin, son truc là, son oncle là? Pourquoi il n'a pas envoyé son oncle C'est lui qui était sur tous les plans, sur tous les plateaux pour parler de... de, de c'est lui. Pourquoi lui n'est pas allé Et c'est eux qu'on l'envoie. Pourquoi on l'envoie Et on envoie le gars de la gendarmerie. Pourquoi ils savent ce que les gars attendaient de l'autre côté. Les gars, ils sont énervés. Comment on va attaquer des gens pendant deux heures et vous, vous ne pouvez pas intervenir Vous êtes à Ouagadougou, vous faites quoi Vous, vous faites quoi Ouagadougou En temps de guerre, les gens vous appellent, ils disent qu'ils sont attaqués. Pendant une heure, on va les massacrer. Et les propagandistes sortent. Qui sont ceux-ci Vous voulez même répartir à mmh. la source. Qui a dit, premièrement, qu'on voulait prendre Guibo Vous, vous avez oublié quand je vous dis que même notre général 5 étoiles, on écrit un papier pour lui, pour qu'il aille dire. Il ne dit pas ça de lui-même. Après la crise, lui-même, il dira qu'il ne le disait pas de lui-même. Qui a dit que Gibo, on voulait prendre Gibo et Gibo et ils ont échoué Qui a dit ça C'est quelqu'un qui a dit ça en première position. C'est lui qui a communiqué sur ça. C'est lui qui est sorti dire après la, le drame là. Il est sorti premier on voulait prendre Guibo. Il y a quelqu'un qui a dit ça. C'est ce dernier-là qui a écrit le papier, dire à Saint-Poré d'aller dire la même chose là-bas pour que lui puisse ventiler. Ce n'est pas Saint-Poré n'a pas dit ça. Le général Saint-Étoile n'a pas dit ça de lui-même. Vous n'avez pas vu sa posture <laughs> Le général qui croise les bras comme ça. J'ai dit, un général, sa démarche même doit galvaniser les soldats. Un général, son discours donne du tonus son discours, ça fait trembler ceux qui sont là. Ça donne, ça remonte le moral. Et quand un général a les bras couragés, je vais encore lui parler, ça a énervé des gens hier, je vais encore dire ça. Nous avons des généraux au Burkina, <laughs> Genguere, même depuis qu'il est en prison, ça fait combien de Sortez-le, mettez-le en tenue, il n'a qu'à aller à Gibo. Aucun djihadiste ne va rester dans la sous-région, dans, sous, dans la zone de Gibo. Seul en arrivant, pas en tirant même, en arrivant là-bas, les soldats vont savoir qu'il y a quelqu'un à la tête. Ils savent que lui-là, il ne va pas fuir nous laisser ici. Mais on est là, on met les gens en prison. Ils sont dedans. Eux-mêmes, ils disent, on peut aider. Mais on est là, on cherche des, on cherche des, 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 des griots, des VDP. Les VDP, ils sont, ils sont courageux. Mais ça dépasse leurs compétences parce que ça là, ça on a besoin du courage. On a besoin des gens pour galvaniser les gens. Il y a des gens quand ils arrivent, eux-mêmes ils imposent le respect. Je ne suis pas de je n'étais pas de son parti. <laughs> je n'étais pas un fan de, de Gengéré. Mais c'est juste vous dire il y a des gens, leur carrure même, en arrivant même, on sait que c'est un général. On ne doit même pas le mettre les galons. Lui même en arrivant, on sait que c'est un général. Mais quand on sort faire comme Basoloma Bazier, qui se fait appeler général et il va marcher dans les champs d'Aracide avec une calasse, et puis on le filme. Il dit qu'il est en train de chercher des gadis. Toi tu es à Ouagadougou, dans les champs d'Aracide, tu tiens une calasse et tu cherches des gadis à Ouagadougou. Les gadis, tu sais pas où ça se trouve? Tu sais pas où ils sont? Vous n'avez pas vu hier Ibrahim Traoré? Il était là avec les chargeurs sur la poitrine. Bien. Et les gens disent, ah, le, le Shankara est là. <laughs> Sakara est là... Ibe... Ce n'était pas à Gawa que tu allais... Tu devrais aller te mettre dans cette posture... Si je te voyais à Gibo... Hier si je voyais Ibe à Gibo... De cette manière là... Mes vidéos... Je n'allais que chanter Ibrahim Traoré... Je vous jure... Moi j'ai besoin de voir des actions pour, louer, pour chanter derrière lui... Mais il n'y a rien... Si c'était à Gibo que Ibe était arrivé hier dans cette tenue-là. Aujourd'hui, ma vidéo, c'était pour le féliciter. Nous, on n'est pas là. On gagne quoi En parlant toujours de... En disant que ça ne va pas. On gagne rien. Qui va nous donner Il n'y a pas quelqu'un. Les gens veulent le pouvoir. Tant que tu ne parles pas pour qu'il devienne, devienne président, qu'est-ce qu'il va te donner Il est content de ce que tu dis, ça l'arrange, mais ce n'est pas pour t'aider. Ils sont tapis dans l'ombre. Il si c'était... Mais il va à Gawa. Gawa, ou même, on envoie jusqu'à 4 à 5 bires pour aller encercler la zone. Il est dedans, on a fouillé tout le monde. Tout le monde, tous ceux qui sont dedans là, ils n'ont même pas une aiguille. Et toi, tu es avec ces sergents là, devant les gens là-bas qui n'ont même pas d'armes. C'est pour faire quoi <laughs> Parce que dans la zone, le périmètre est encerclé. <laughs> on a fouillé tout le monde. <laughs> les gens n'ont même pas une aiguille. Ils n'ont pas d'aiguille. Mais toi, tu as ces sergeurs-là. C'est contre qui? C'est pour la... c'est le populisme. Quand nous, on vous dit que ça ne va pas, vous croyez que c'est de l'amusement. Tout ça, c'est pour faire quoi? Voici que demain, on dit aux gens, où c'est quoi, samedi? On dit aux gens de sortir pour euh, euh, un meeting là. C'est pour tester. C'est pour tester euh, l'engouement derrière le président. C'est rien d'autre. Aucun soldat à Gibo n'a le cœur pour regarder dans une à la place de la nation des gens qui sont réunis là-bas pour dire qu'on les soutient. Les gens n'ont pas besoin de ça. Les gens n'ont pas besoin de ça. Ils ont plutôt besoin de, de, de sentir leur hiérarchie. Leur dire que désormais, s'il y a coco-coco, -co -co -co, on sera prêt à venir en même temps. C'est ce qui manque aux soldats. Ce n'est pas aller réunir les gens. On met des cars en location. On dit aux gens qu'il y a des cars qui vont venir les chercher dans les régions pour venir. Vous aussi, vous êtes sérieux. Je dis à tout le monde. Dans vos quartiers, ils vont venir avec des cars. Il ne faut pas rentrer dans les cars. Là. Ce sont des foutaises. Les gens sont là, ils n'ont pas à manger. Vous allez confectionner des tissus, des tenues. Vous allez faire ouais, ouais. prendre des basses, prendre tout tout. C'est de l'argent. Mettez cet argent-là à la disposition de ceux qui sont au front. Ça les galvanise. Au lieu de mettre tout cet argent pour aller à la place de la nation, tester l'engouement pour voir si quelqu'un veut renverser Ibrahim Et si les gens sont toujours là. Après chaque drame, il faut tester, voir. Si les gens sont toujours derrière Ibrahim Traoré, c'est ce qu'ils veulent se faire le deux. Sinon, ce n'est pas pour accompagner les soldats. Puisque, comme il y a le drame et les gens sont énervés, tout le monde est fâché. Les soldats sont fâchés. Les ministres, Il y a des ministres même qui sont fâchés. Il y a des directeurs qui sont fâchés. Tout le monde est fâché. Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut appeler à une mobilisation spontanée pour voir si les gens sont tous. Les 88% sont toujours là. <laughs> Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer demain. Mais il faut tester les gens. Si ça ne va pas, on n'a qu'à créer encore des, des fake news pour rassembler les gens. Parce qu'avec l'affaire de Guibou, les gens ont vu clair. Les gens ont vu clair. <laughs> Donc, c'est juste. Ça fait rire, mais c'est vrai. Il ne faut même pas prendre ces cas-là. Si les cas viennent, ne rentrez pas. Laissez-les. Voilà. Donc, il y a des. J'allais attirer l'attention de mes, 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 mes amis. Il y, y a des pages. Il y a des faux comptes qui circulent beaucoup. Parce que des gens ont pris. De l'argent. Ça, c'est vrai. Et ils, ont, ils, ont, ils font la communication, la propagande du régime. Ces gens ont créé certains, au minimum 100 comptes. Et ces comptes-là, quand vous regardez la plupart du temps, ces comptes-là ont zéro amis, zéro followers. Et c'est eux qui insultent, c'est eux qui signalent les pages. Donc, je voudrais vous dire, à chaque fois que vous allez voir quelqu'un qui raconte des bêtises, tapez, regardez. Si ce sont les zéro comptes, les zéro followers, zéro à là, il faut bloquer en même temps, ce sont les comptes des propagandistes ceux qui ont pris l'argent, chacun a au minimum 100 comptes, c'est avec ça qu'ils utilisent pour partager, influencer les gens, comme si il y a beaucoup de personnes qui aiment ce qu'ils font non, il y a à au moins 5 comptes, ils sont assis à Ouagadougou, ils ont des bureaux là-bas assis leur travail, c'est de commenter les publications des faux types là c'est de partager, c'est de commenter donc, ils sont quelques personnes mais vous avez l'impression qu'il y a beaucoup, mais il n'y en a pas beaucoup ce sont des comptes sacrés à son ordinateur devant lui. Il a au minimum 100 à 200 comptes lui seul. Donc il ne travaille plus. Chaque matin, il se lave, il dit qu'il va au bureau. Mais son bureau là, c'est pour aller ouvrir l'ordinateur parce qu'ils ont une connexion. C'est pour aller ouvrir, commencer à commenter, à liker. Et puis s'il y avait leurs garçons en direct, ils partent maintenant partager un nom, nombre important. Pour, et, et, pour manipuler les gens. Pour faire comme s'ils si ont plus de gens que les autres. Donc, c'est eux. Donc, si vous voyez quelqu'un qui vous insulte, regardez. Si ce sont ces faux comptes, bloquez et continuez votre chemin. Il ne faut même pas discuter. La plupart du temps, regardez très bien. Ces faux comptes-là, ils n'ont pas trop d'abonnés et d'amis. C'est pourquoi ils partagent beaucoup chez eux et il n'y a pas beaucoup de vues. Puisque quand ils partagent, ils n'ont pas d'amis. Les partages sont trop, mais il n'y a pas de vues. Parce qu'il n'y a pas d'amis. Puisque quand on partage, c'est pour que tes amis puissent voir. Mais comme lui, eux, ils n'ont pas d'amis. Quand ils partagent, les partages sont trop. Mais les vues, là, ce n'est pas trop, ce n'est pas beaucoup. Moi, je ne gagne pas 200 vues, 200 partages. Mais moi, je fais les 15 000 vues, ça va. Si moi, je gagne 1 000 partages ici, je vais faire 2 millions de vues. Donc, merci à tous et bonne soirée.